La Graduate School Chimie offre des formations exigeantes à, par et pour la recherche. L'école doctorale de sciences chimiques, molécules, matériaux, instrumentation et biosystèmes offre un écosystème de laboratoires et de projets de recherche pour monter et développer des projets de recherche et relever les défis et enjeux actuels et du monde de demain. Pour moi, c'était vraiment très important de pouvoir donner un sens à mon travail, de pouvoir contribuer du mieux que je peux à mon échelle. Le monde de l'énergie étant vraiment un domaine très large, c'est pour cela que j'ai décidé de me centrer sur la technologie des batteries. Je travaille sur un nouveau type d'électrolyte solide appelé oxyde à haute entropie. C'est un matériau mis en lumière très récemment qui a des propriétés très prometteuses. Mon objectif de thèse est donc de mieux comprendre les mécanismes qui entrent en jeu dans ce matériau et de mettre en œuvre un prototype de batterie. Mener des recherches est quelque chose qui me passionne car je trouve ça extrêmement motivant de travailler sur un sujet qui est novateur et qui peut potentiellement aboutir à une révolution. J'ai choisi un sujet de thèse très appliqué autour du recyclage des plastiques par voie chimique parce que c'est vraiment en harmonie avec mes valeurs personnelles. Au cours des 3 ans de thèse, j'ai travaillé sur le développement de systèmes chimiques pour recycler les plastiques, donc pour les dépolymériser, c'est-à-dire en fait les couper en petites molécules de base pour notre industrie chimique. Dans ce domaine-là, aujourd'hui, il y a très peu de choses qui sont faites. Il faut vraiment que la recherche puisse apporter son expertise dans le domaine, présenter de nouveaux travaux pour qu'ensuite, à l'échelle industrielle, on puisse développer des réelles solutions et répondre à cet enjeu planétaire du recyclage des plastiques et de cette accumulation de déchets plastiques. J'ai personnellement la chance de faire une thèse CIFRE, une thèse faite en collaboration avec une entreprise et l'université. Ça permet d'avoir une vision de 2 univers différents qui sont complémentaires. Une première vraiment orientée recherche fondamentale sur la technologie de la thèse et une deuxième approche plus concrète pour comprendre au mieux les enjeux de l'industrie. Pour moi, ça a été l'occasion d'avoir mon projet pendant 3 ans, d'être indépendante, autonome. Et c'est ce qui m'a donné ce goût à la recherche et surtout cette envie de poursuivre en fait dans ce domaine-là. À court terme, j'ai un projet de création de start-up sur la base de mes résultats de thèse. Ce projet de start-up repose sur la valorisation des déchets de type nylon, donc qui sont des déchets essentiellement de l'industrie textile, pour les traiter et en faire des nouveaux matériaux. Si cette start-up peut émerger, l'objectif est de pouvoir la faire évoluer et pourquoi pas vraiment mettre un pied dans l'entrepreneuriat.